les 3-4 derniers mois, à Birkenau, j'ai travaillé dans une usine d'armement qui s'appelait l'Union Verkiai, qui était un petit peu en dehors de la zone de surveillance, qui était dans la zone de surveillance du camp, et nous, on nous avait fait partir dans des blocs à Auschwitz même. Pourquoi on avait voulu nous rapprocher, j'en sais rien. Alors dans cette usine, on faisait des détonateurs pour grenades. Bon, je reconnais bien là, les fenêtres là, les carreaux. Je reconnais bien là-haut. Je voudrais voir au milieu si je retrouve quelque chose qui me... Le coin où je travaillais, j'aurais voulu retrouver. Et il s'est passé une chose, c'est qu'à la fin septembre, à peu près 1944, les hommes de Sonderkommando sont venus contacter les hommes de mon usine et leur ont dit « On a un projet, on veut faire une rébellion, il faut absolument que vous parliez avec les femmes qui travaillent au dépôt, au stockage de la poudre, il faut qu'elles nous donnent de la poudre, en fait des explosifs, pour faire sauter un crématoire. » Vous savez que rien que pour venir les contacter, c'était un exploit, parce que le Sonderkommando était tout à fait à l'écart des autres, il dormait au-dessus des crématoires et il n'avait pas le droit de se rencontrer avec les autres hommes. Pas moi, puisque moi je travaillais à la table de montage, mais juste à côté de moi, il y avait le pulverum, c'est-à-dire la pièce de stockage de la poudre. Donc, ils ont donc contacté ces femmes, nous on est au courant de rien, bien sûr, tout a été tenu secret. Ils ont contacté ces femmes qui, en plusieurs fois, ont risqué de subtiliser de la poudre du stock pour le donner aux hommes. Un pan du crématoire est tombé, il a été rendu inutilisable. Les hommes du Sonderkommando ont été tout de suite entourés, cernés par les soldats allemands qui les ont poursuivis. Eux ont essayé de s'échapper justement par l'ici. Et ceux qu'on n'est pas arrivé à fusiller, on les a repris et on les a, on les a gazés dans un autre crématoire. Le chef du camp a tout de suite voulu savoir qui avait fourni la poudre. Ils sont allés à l'usine et ils ont demandé le numéro des filles qui travaillent au dépôt de poudre. Elles sont allées, paraît-il, dans le bloc disciplinaire, le bloc 11 à Auschwitz, où elles ont été torturées pendant plus de 3 mois. Et un soir, le 16 janvier 1945, c'est-à-dire très peu de temps avant l'évacuation du camp, on rentre de l'usine et au lieu d'avoir l'appel devant la baraque, on nous met sur une petite place. Qu'est-ce qu'on trouve? Une potence avec 2 cordes et le chef du camp qui était là. On amène 2 jeunes filles, les mains derrière le dos, donc elles ont été pendues devant nous. Ben, je peux vous dire que c'est une des choses qui m'a le plus marqué au camp. Parce qu'elles sont arrivées, elles étaient en bonne santé, elles respiraient, la corde au cou. Puis d'un seul coup, on a entendu craquer la corde. C'était le soir, c'était 6 heures du soir, il faisait nuit. Il fallait absolument assis. On a essayé de ne pas regarder, mais on a dû assister quand même à la pendaison. Et c'était vraiment un acte absolument héroïque. Parce que les filles qui travaillaient au stockage de la poudre savait très bien, en acceptant de subtiliser la poudre, savait très bien que c'est elle qui risquait. Vous voyez, c'est pas moi qu'on est venu chercher, c'était les filles qui étaient au stockage. Alors elles ont payé de leur vie, elles ont donc été pendues, et 11 jours après, c'était l'évacuation, on partait sur les routes. J'éprouve que j'ai eu une immense chance à mon âge de survivre, et j'éprouve que j'ai une dette envers tous ceux qui sont restés. La dette que j'ai, c'est de faire savoir et de transmettre. En 88, quand je vous vois la première fois, j'étais complètement déboussolée. D'abord, je n'ai rien reconnu. Vous voyez ce que vous voyez là-bas en face, toutes les baraques en bois qui ont été démantelées, dont on a brûlé le bois, il y a des espèces de cheminées qui restent. Et ben, quand je suis arrivée ici, je n'ai pas reconnu le camp, je me suis cru à Pompéi. À un moment donné, ça a presque capoté. Je me suis pincée, je me suis dit, mais je rêve ou je reviens dans le camp ou je suis vraiment libérée. Il y a un moment où ça a été dur. Dans le camp, il y avait des bruits terribles. Il y avait sans arrêt les capots qui hurlaient. Il y avait des coups de sifflet, il y avait des hurlements, il y avait des femmes. C'était très nombreux. On était près de 40 000 ici à Birkenau en 44. Bon, il y avait des femmes dans leurs vêtements de bagnard qui marchaient, qui étaient pâles, qui étaient maigres, qui étaient décharnées et tout.
C'est plus du tout. C'est... Et puis il y avait l'odeur, il y avait les. Donc c'est pas du. Ça, c'est quelque chose de clean qu'on voit là. On peut pas imaginer qu'il y a eu tout ça. La première fois, bon, pour moi, c'était très dur. Je pensais pas que je reviendrais la deuxième fois. Et puis je suis revenue quand même en 89, on m'a redemandé de venir, et puis j'ai compris. En voyant les copies des élèves qu'ils ont fait dans l'avion, c'était la présence des témoins. Ils avaient pu discuter avec les témoins, savoir comment était la vie. Ils parlaient pas pour eux, les guides, ça les intéressait pas. En somme, ça les intéressait pas de savoir exactement les dates et le nom. Ce qui les intéressait, c'est comment on vit au camp et comment on survit, voilà. Donc, je me suis rendu compte que ça avait été utile de venir. Et donc, l'année d'après, quand on m'a redemandé, ben, je suis revenue. Et en 90 aussi, et puis c'est parti. Et je peux vous dire que je me suis promis de revenir aussi longtemps que je pourrais. Quand je pourrais plus, mais tant que je pourrais, je reviendrai. Elle n'a jamais pleuré, pourtant malheur s'est acharné. La haine a déchiré tout ce auquel elle croyait. Elle n'a jamais pleuré, là où plus d'une aurait craqué. Ce combat, elle a mené pour enfin être libérée. C'est l'histoire d'une enfant, d'une môme, d'une petite juive que l'horreur, la peur, les mots de la vie poursuivent. Mémoire de cette triste page de l'histoire, pour pleurer, pour y croire. Moi je dédie ce récit à toutes les victimes de l'espoir, celles qui ont pris cette douce un soir, mais aussi pour celles qui ont vécu la victoire. Je rappe cette histoire, elle a existé et il ne faudra jamais l'oublier. Elle n'a jamais pleuré.